Les frères, j'espère que vous allez bien. Petit match, hein. Petit match de SPI. Du coup, on va tester ça cette fois-ci en superstar. Donc voilà, je vais jouer cette team-là, comme vous savez, avec le nouveau Santana, qu'on va essayer d'utiliser à bon escient. Ici, j'ai mis le petit Tiger Brand, et du coup, ce qui va me permettre de débloquer la frappe ici, et du coup, j'ai mis la 1-2 avec Tiger Brand sur KHS. Voilà, donc du coup, on y va. Let's go. J'ai pas beaucoup joué, hein. Il faut que je récupère un peu les DB du PVP. Il y a l'anniversaire dans 2 semaines et demie, 2 semaines, 3 semaines. C'est quand je pense que ça va être aux alentours du 3, par là, ça va être un bail comme ça. Ouais. En plus, le 3, c'est un vendredi, donc forcément, ça va être mise à jour et derrière Aniv. Donc, ouais, je pense que le 3, on est bien parti pour aller sur un Aniv, ouais, au début du 3 décembre. Bon, ça a mis un peu de temps, espérons que ce soit pas un bot, parce que si c'est un bot, du coup, je vais mettre une petite pause, et puis on repartira sur un autre match. Qu'est-ce qu'il est classe, le Santana, putain. Qu'est-ce qu'il est classe, hein. Il est incroyable. 48% de lien. On est à 48%, les gars. 46% en face, avec Shimazu, du coup, il n'y aura pas de 10% pour Santana. On verra. Bon, ça sent le bot. Ouais, ça sent le bot. Ça sent fortement le bot. J'essaie de jauger un petit peu les... Ouais, si c'est un bot, c'est un bot. Ça va beaucoup trop vite. Ok, les gars, je mets une petite pause. Je fais le match. On va gratter la Dream Ball quand même. Et puis, je relance un match juste après. A tout de suite. Je vous remets juste ce test. Oh putain, critique gold en plus. Santana, pas full stam. On va voir ce que ça donne. Critique gold. Il était mid stam à peu près le Santana. Qu'est-ce que ça donne? Bon, critique gold, c'est normal. C'est normal. Bon allez, je recoupe. Ok, cette fois-ci, je pense qu'on est parti sur un vrai match. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a en face? Un Müller, ok. Roberto, Zach. Tsubasa, etc. Ok. Il a sûrement voulu prévoir le Shimazu avec son Roberto, mais bon, c'est pas le cas. Ce n'est point le cas, du coup, là, ça va être... Alors, je sais plus s'il a un tackless. Il n'a pas de tackless, il me semble. Ouais, voilà, gratuit. Gratuit absolu. Ok, bah, écoutez, c'est parfait. Ce qu'on va faire dans un premier temps... On va lancer sur Santana. On lance sur Santana une première fois. Il faut qu'on claque de la stam avec Santana de toute façon. Il faut qu'on claque de la stam. Alors, est-ce qu'on claque de la stam bêtement ou pas? Je ne pense pas. 42k les gars, hein. 42k de dribble du coup. Du coup, je pense qu'on peut dribbler tranquille. On va le faire. Voilà, il tacle normal. Ok, ça passe pas. Ça ne passe malheureusement pas. Est-ce que c'est KHS qui récupère la balle? C'est... Oh putain. Je suis désolé, mec. Hein. Je suis désolé, mais ça, c'est un des pires trucs dans le jeu. C'est vraiment un des pires trucs dans le jeu. Ok, bon, bah écoutez, on va jongler. On va essayer de se baisser la stam au max. Enfin, au max. Peut-être pas au max, mais en tout cas, on va se la baisser. On se la baisse encore un petit peu. Et là, je pense... Ouais, bon, allez, on s'est enlevé 300. Allez, on s'en garde un petit peu. On va frapper tout de suite. Pas besoin de coller le gardien avec Schneider. Ouf, un critique en plus. Bon, c'était chanceux. C'était extrêmement chanceux.
franchement, c'est extrêmement chanceux. C'est... Ah, je suis désolé. Ça, c'est un des pires trucs qui peut arriver, donc sois ça. Tu fais le bon choix, t'as un fumble, mais tu perds quand même. Et en plus de ça, l'attaquant adverse, il se retrouve tout seul. C'est chaud. C'est chaud. Ok, il tente pas, il préfère laisser passer. Ok. Il préfère laisser passer, c'est compréhensible. Ok. Moi j'aurais tenté l'arrêt hein, quand même. Début de match comme ça, franchement j'aurais tenté l'arrêt. J'ai arrêté plusieurs fois hein, des Hando Shusokujin Faya. Donc moi j'aurais été à sa place, j'aurais tenté. Surtout en début de match comme ça. Ok, on baisse la stam. Allez, attrape-le. C'est parfait. Est-ce qu'il avait une bonne lecture? Il n'a pas de bonne lecture là. Ok, d'accord. Bon, allez, hop. Interception, je remets derrière direct si je la récupère. Ouais. Gros stade d'inter pour Santana. Donc il faut faire attention. Si tu sais pas bien dribbler, fais attention. Ok, bon là il va sceller. Ah non, il scelle pas. C'est vrai qu'il peut pas nous sceller. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de récupérer la balle? Ou parce que là, je pense qu'on la récupère cette fois-ci. Hein. Je pense qu'on la récupère, surtout s'il fait un dribble ou s'il une passe. Je pense qu'on la récupère quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que si je fais ça, je peux plus rien utiliser. Vas-y, on va le faire quand même. Il va dribbler. Ah non, ok. Une, deux quand même. Et il va passer. Ok. Il va passer. Je pensais pas qu'il aurait le full power tout de suite. Ok. Bon, bah, Santana, c'est compliqué. Santana, ça s'avère compliqué du coup là. Je pourrais plus jouer avec lui. Sauf si full power, on verra. On va essayer de moyenner quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière avec Rivaul? Ok, il a Keblo ça. Est-ce qu'on l'incite à tirer en dehors de la surface? Ou alors est-ce qu'il va double dribble? C'est possible qu'il puisse. On fait ça. Et puis on fait ça, on s'en bat les steaks, vas-y. Ok, double drive. Oh, elle est belle. Franchement, c'est rendu. Voilà, mais bon, en plus là, j'avais tort hein, sur le duel. Donc vas-y, pas de soucis. C'est rendu. Du coup, il passe. Je préfère passer, du coup, j'imagine, en retrait. Ok, on passe du coup à monsieur ici. Et là en full power, est-ce que il tente de frapper de là, la frappe à l'espèce distance, ou alors est-ce que... De toute façon je peux rien faire quand il arrive. Ouais. J'aurais dû tacler. Mais je vais récupérer le full power directement après normalement. Ah, la frappe du... Ah ouais, ok, j'avais pas fait gaffe. Putain de merde, sinon j'aurais effectivement taclé. Ouais, je pensais qu'il allait frapper, la frappe avec Schneider, mais il n'y a pas de Schneider de son côté sur le terrain. Donc, j'ai zappé. Ok, donc 612. Il y avait un petit critique. Franchement, moi, je le fais. Je m'en bats les couilles. Voilà. Allez. À mon tour le full power. On va essayer de pas le gâcher. J'ai pas vu combien de temps il restait. Merde. Combien de temps il reste? Let's go. Ok Schneider, il reste combien de temps? Ok, c'est bien ça, c'est très bien ça. Allez vas-y. Tu sales ou pas? Ok, il va sceller. J'aurais peut-être dû la passer. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Il est encore en full power. J'ai pas le choix. On va la tenter quand même. J'ai pas le choix. Ouais, évidemment. Normal. C'est vrai que lui, il casse la tête, lui. Hein. Putain, il a eu un sacré achat, lui. Hein. Il est vraiment revenu dans le game.
Allez, allez, vas-y, on se met sur la route, on se met sur la route, on récupère. Dommage, ça, Yorban. Oh là, dommage, frère, putain. Ah ouais, putain, c'est chiant, ça. C'est quoi ce truc de débile? C'est vraiment un truc de débile, ça. Bon, ok. Vas-y, frère. Ah, c'était logique, mais je me suis dit, il va peut-être essayer de me brain. Au final, il a voulu tacler, il a fait le truc le plus logique. Ouais, j'aurais dû aller dans ce sens-là. Ok. Bon. Ok, Roberto. Allez, mon pote. Allez, allez. Ok, bon, c'était compliqué, hein, le duel avec KHS là-bas, c'était bien bien compliqué. Putain, il arrive à 48k, ok, d'accord. Putain, 48k quand même, hein. Monte haut le Roberto. Est-ce que j'ai le temps de relancer une offensive ou pas? Est-ce que j'ai le temps de relancer une offensive ou pas? Est-ce que j'ai le time? Combien de temps il reste? Ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Ok, du coup, Santana, il revient à 788. On reste avec ça, on reste avec ça. Ok, vas-y, on va relancer tout de suite. Hein. Qu'est-ce que lui, il peut faire? Est-ce qu'il a deux tacles? Il a un tacle. Ok, il a qu'un seul tacle, ça veut dire que je peux le sceller. Et lui, ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va changer les places. On va changer les places, et du coup... Non, c'est bien, au contraire, c'est bien. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, parce que du coup, le Stain, il va appeler... Si je fais un duel Stain, son Stain, il va appeler son Cruyford. Son Cruyford, il va se faire sceller un truc. Non, c'est bien, ok. Ok, allez, on y retourne. Ok, il fait rentrer Margus. Il fait rentrer Margus. Putain, dommage. Ah, ils utilisent la strat. Oh, la strat de bâtard. Cher fic. Voilà, allez, cher fic. Dégage. Clochard. Oh, la strat, mon gars. Putain. Qui on va la mettre derrière? On va la mettre à Grandios, allez. Oh, la strat de débilos, oh putain. Allez, vas-y, duel avec Tsubasa, pas de Tsusai. Ok, 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 ok. Moi je passe, mon gars, je passe, je m'en fous. Est-ce qu'on passe là-bas? Alors je dribble? Vas-y, je dribble. Oh putain, j'aurais dû rester sur ma première solution. Je sais pas pourquoi, hein, dernier truc qui m'a dit, vas-y, change, on sait jamais. Il va tirer direct. Ouais. J'aurais dû... Ah merde, j'aurais dû passer. Je fais le mongol. La première impression, les gars, c'est toujours la bonne. Faut pas laisser le chétan, il vous dit non. Laisse tomber, il passe pas, il va faire interception, dribble, c'est mieux. Ça, c'est le chétan, ça. C'est le chétan, ça. 545 l'arrêt inébranlable, ça me paraît quand même assez compliqué. On va faire l'arrêt divin. Ah,
L'arrêt divin, le full power, il monte. Allez, balance sur le Teco, sur Stain. C'est bien sur Stain là-haut, là. Sur Stain là-haut, c'est très bien, ça. Ah, Santana. Ok. Du coup, Santana, on va passer sur... Ça passe, frère. Ok. Qu'est-ce qu'on bloque ? On bloque l'interception, mais il a une deuxième interception. Je peux dribbler et la mettre dans le trou. Putain, il est au tacle encore. Il rage reste avec le tacle. Ok. Bon, par contre, là, Müller, ça va commencer à devenir compliqué, là. S'il fait la quête et qui... Oh. Moi aussi j'intercepte là encore. Parce qu'il rage reste avec le dribble. Oh le bâtard, il rage reste avec le dribble. Ouf, heureusement. Elle sort. Il rage reste. Il continue de rage rester sur ces trucs. Ouah, non. Mais non. Ah mais non. Non. J'accepte pas. Putain, j'ai pas de contrat avec lui, c'est la merde. On va intercepter. Là, on contre, et là, on intercepte. Allez. Bien joué, Kals. Par contre, Kals, il est à poil maintenant. Allez, je vais balancer sur Stain si je peux. C'est parfait ça. Je sais plus si lui on peut lui sceller une spé ou pas, j'ai oublié, putain merde. Allez, let's go. On va aller sur Alberto. On va y aller, hein, sans pitié. Ok, mais du coup, quand même, 344. Ça peut être dangereux. 344, ça peut être dangereux. Level 1 et un tackle S. Ouais. On l'a fait, on l'a refait. En fait, c'est pas grave. Ouais, ça passe, c'était le bon scellement là. C'était parfait. Nickel. Allez, maintenant on va faire taper KHS. Donc KHS se rapproche. Hop, c'est parfait ça. J'ai même envie de tenter un truc. Il est en full power, il peut absolument rien faire. J'ai envie de tenter un truc. Non, putain, c'est ce clochard qui récupère la balle, merde. Ça peut être très très bien. Ouais, si, c'est très bien. Ah putain, le dégagement, t'es sérieux? Merde. Non, c'est pas grave. Ah ouais, frère. Il était dessus, merde. Bon, combien de temps il reste? Ah, celui-là.
C'est fini. J'aurais pu en mettre un deuxième. Franchement, j'aurais pu en mettre un deuxième si j'étais parti avec KHS. Mais je voulais tester Müller contre Santana, Santana contre Müller, avec une hotline, histoire de voir ce que ça donnait. Mais bon, j'ai mal fait ma passe. Tant pis, c'est pas grave. Mais ouais. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne. C'est dommage. J'ai foiré ma passe, merde. Tant pis, tant pis. Voilà, 1-0 pour ce petit match. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce 3 et c'est ce 4, vous en battez les couilles. Hein. Faut jouer. Hein. Voilà, c'est un mec qui arrive en face de vous. Montez-le en l'air. C'est tout. Et en plus, j'ai eu un coup de chance avec le fumble. Uber Eats, tu dégages. Et lui, il utilisait des strats dégueulasses. Là, la passe en arrière avec Rivao, là, c'était complètement éclaté. Voilà les frères, je vous mets cette vidéo tout de suite, hein, directement mardi soir. Hein, vous allez la voir aux alentours de 21h par là. Et puis demain, journée news, peut-être la suite du Dreamco pour vendredi prochain. Voilà, parce que le Dreamco s'arrête vendredi matin. Et puis bah des chances Next Dream du coup qui devrait normalement se dévoiler demain. Voilà la troisième partie, puis voilà le portail comme d'habitude. En fin de semaine. Voilà, on se laisse là-dessus. Portez-vous bien. Et puis, bah, du coup, bah, à mercredi. Voilà. Ciao, ciao.